Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 décembre. En ce dimanche, j'aurai la joie d'accueillir les pompiers du Thor. Magnifique dévouement tout au long de l'année. Nous pourrons prier avec eux et aussi nous mettre dans cette seconde lumière de l'Avent. La lumière prophétique, une lumière qui annonce justement la venue du Sauveur en aplanissant les chemins. Exactement comme font d'ailleurs nos pompiers qui sont toujours à l'œuvre pour nous dégager de tout souci. Malheureusement, les accidents ou les accidents de la nature ou les accidents de la circulation. Et puis, bien sûr, aussi nos accidents de santé. J'ai une pensée toute particulière en écoutant Adonai, Harp Worship Instrumentals. Magnifique interprétation de ce chant. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. David's Worship Harp, je vous invite. Aujourd'hui, en ce dimanche, c'est aussi les fêtes de la lumière qui se poursuivent chez la communauté juive, chez nos frères aînés, avec la quatrième lumière qui sera allumée, Hanouka. Voilà, je pensais très fort pour cette lumière de paix avec vous, parce que forcément, bien-aimés, il y a une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Je crois que la paix du monde dépend de notre conversion profonde. Elle doit passer par nos cœurs et nous pouvons prier aussi pour ceux qui font la guerre, ceux qui sont animés d'une haine, de terrorisme implacable, monstrueux. Demandez cette paix, vraiment qu'elle inonde le monde. Il y a tant et tant d'enfants, de femmes, de vieillards qui sont maltraités, tant de violence dans nos quartiers aussi. Seigneur, que cette lumière que nous allons allumer aussi avec... dans la synagogue de Carpentras, je dirais l'après-midi, qu'elle soit aussi un signe de notre volonté de paix. Une juste paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre, que tout le monde puisse vivre en paix. Vous voyez quel homme et quelle femme nous devons être en vivant dans la sainteté et la piété. Nous qui attendons le jour de Dieu. Au fond, Noël, c'est ça, c'est toujours cette attente, cette messianité qui doit animer nos cœurs, soulever nos cœurs, tous. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Merci, l'apôtre Pierre. C'est sa seconde épître au chapitre 3, des versets 8 à 14. Bon dimanche à tous. Adonai, Elohim, El Shaddai, Seigneur, Père éternel, viens rallumer en nous le désir de ta paix dans le Christ Jésus qui vient. Amen.